papa Simo qui m'a engagé. Papa, merci Nandenge Bino Bobumbi Biso pour le Kumisi Biso na Seleko Koyo. Papa ya solo vous allez voir ensemble. Papa, tala maman atamboli na sani na yo Mikaelo. Moi na moko la moko ati le boko na kati famba te pour misano pe liboso mbongo wana. Ya solo yo lia ka yango te kasi sala ka misala na yo. Kanisi la mwana moko na moko de ba problème songolo oyo ya zali na yango. Pe papa ko bosa na te na ba oyo bati le boko te famba te kozanga ezali kasi papa opambola famba te le lieu ezali lobby ba ko kozwa ebele koleka oba ko kotia pour misano ke liboso. Qui m'a dit que je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été réjouira. Elin vous ravira votre joie. Ya solo to akina mawa. Na mkolo wana tangu papa tika biso. Kasi ya le bina biso ya. Mutu moko te rozoa e se mona bino. Papa kuta lwa la biso. Mkolo wana mune kuye pasuka biso pone sengo. Mkolo wana yizani ko koma. Tangu na biso ni tota wane zayi. Ba tuzana ba deshe sinyo sulo kuzwa mkili. E pesa mili biso. Ya le bina mkolo wana. Tuzana kina mawa. Kasi, ma on a dit pour amis Sengo. Je dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les distributeurs, vous aurez les distributions dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Assez vous en a courage. Tout ça, c'est ça. Tout ça, c'est ça. Il y a longi. Tu peux te longa. Tu peux longa. Kaka, na boli bombe ko pili sala. Il y a ce courage. Les gens qui passent, mais les gens qui sont là. Et c'est moi qui suis là. Je 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 suis là. Il est à Longaki. Papa Mkolutu à Longaki. Papa Fumalongo à Longaki. Papa Fumambanza à Longaki. Bisoupe Tokoloma. Tokoloma la Nini, Napoléon Biko Pelissala, Tosis Nabiso Bongo, Nakomata Mapi Moussan de Matoboya. Tokoloya. Nakomata, mon appétit Kamoli Moussantou, notre père qui est au ciel, qui est au règne vient. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre quotidien, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, ne nous partageons mais ne nous ferons du mal. Car la terre appartient à tous les siècles, la reine, la puissance et la gloire, pour des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dengenini boko ki makandalia ye bino a de bino ni botaya zambe wa bomo dengenini boko ki makandalia ye obosa ni misala ye alingaka o mwida mwaye moko ngengela bino bino ni botaya zambe wa bomo Ngenini boko ki makanda na ye Bobo sani misala ye alingaka O mabota maye mabu
Mwinda mwaye moko ngengela bino Balabanga bobo ngisa Lolenge loko kila mbimi Tosa mibeko Tambola nye longola bae Ateli bino Mwinda mwanga mongengela bino Kimia pe boswa yango Mabota maso, mayebete liboto yo ya zambe wabongo. Panabanga, bobo ngisa, lolenge loko kina mwondimi. Tosa mibeko, tambola niye longo na baeba teli bino. Mwinda mwanga, mongenge la bino. Gamba oye, oye, gamba oye, oye, gamba oye, 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 Yerusalemi, gamba, Zikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yesu, et Tata Mwanga Menela, Papa Simon qui manque un gagnant, oye, oye, Papa Simon qui manque un gagnant, oye, oye, Papa Simon qui manque un gagnant, oye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Santu, Olinga, Olinga Te, Kutse Kutse, Yetaka, Yetaka, Yetaka. Centenaire, oye, oye. Papa Robert, nous tenons à nous excuser pour le retard, mais merci encore d'être venu. Je vais résumer un peu for my English speakers. Luke 1, 13-17. Isaiah 16, 1 through 5, and John 16, chapter 33. So, what we can go with at home? We have to remember that we got to respect all the commandments and apply them in our everyday life. The end of the world is approaching, and it's not just a slogan. We are not just saying it like that. And we cannot serve two masters at the same time. We've got to be as loyal as a dog is to his master. And the love being the first command, like one of the first, one of the commandments, and the first one, the greatest one, we have to practice and show true love every day in our day, everyday lifestyle. We have to stop being hypocrite, because it's going to cost us a lot. Like by being hypocrite, we don't get anything. So we have to show love to every day, to everybody every day, and reflect the, our true personality. We cannot just come to church and act as Christian, and as soon as we go home, show our true color by being disrespectful to our parents or not work. Also, we have to trust God, as our preacher was telling us. We have to stop asking questions. We have to be faithful, because it doesn't help us. We know who we are serving. We cannot ask ourselves questions. It doesn't make sense like to come here to say that we trust God and then go home, try to think of our issues and stuff like that. It doesn't help anybody. We have to keep faith and serve the true God that we know, which is Papa Simon Kimbangu Kiangani. And also, like I said, our lifestyle should reflect the life of a child of God, not only when we are at church, but around us at all time. And just like the preacher said, we have the power to help people around us. We can be in difficulties, and we will start to calling a pastor or stuff like that. But when we have faith, we can do all of those things by ourselves. And for that, we have to be pure in the face of God. And yes. And in life, we are missing on great things because we don't want to stop being evil. We don't stop to be, to act bad and being too proud. Like we, we think sometimes as human that we can do everything by ourselves, but no,
We didn't come here by our own ability. God had to help us. That's why we always have to turn and look at His face. We have to stop sinning and come clean before His face. And all the things that we need will come to us. And things here on earth, like cars, clothes, are just vanity. Thank you. And pour 60, 1 à 5 et Jean 16, 33. Sur Papa Diangenda, personnellement, je n'étais même pas encore née, si je dois faire un petit commentaire, je n'étais même pas encore née quand il est décédé. Mais j'ai appris beaucoup de choses, pas seulement à partir des parents, pas seulement à partir de l'église, mais moi-même en faisant mes propres recherches. Papa Diangenda, c'était quelqu'un de grand, pas seulement pour l'église, mais je pourrais dire pour le Congo également. Tout ce qu'il a eu à faire. Mais les gens autour de lui, en dehors de l'église, même ceux qui ne le connaissaient pas, l'insultaient. Disaient que Diangenda, c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est juste un voleur. Les Kimbanguistes sont là à le suivre aveuglément, mais nous, nous savons. Diangenda était non seulement le premier chef spirituel de l'église Kimbanguiste, mais c'était un bâtisseur que nous avons. Papa Simon Kimbangu Kiangani a montré le journal. Dans ce que nous avons appris à l'école, nous avons vu que Papa Diangenda, oui, bien sûr, il est né le 22 mars, mais nous avons appris que la Deuxième Guerre mondiale, qui a duré de 1914 à 1918, c'était arrêté autour de novembre 1918, tout ça, il y avait des spéculations sur la signature de la fin de la guerre. Mais le journal que Papa Simon Kimbangu Kiangani a montre que Papa Diangenda, non seulement il est né le 22 mars, comme nous le connaissons, mais le journal montre que la guerre s'est arrêtée effectivement le 22 mars. Je ne sais pas si vous allez dire que c'est une coïncidence ou bien on a trafiqué le journal, mais le journal, en tout cas, date de la période de la Deuxième Guerre mondiale et ça montre exactement que la fin et l'armistice avaient été signés le 22 mars 1918. Donc, ce journal-là, nous allons le retrouver parmi les choses qui seront dans le musée. Comme Papa Simon Kimbangu l'a annoncé, le musée a été inauguré spirituellement. Mais financièrement, comme nous le savons, nous devons continuer de travailler. Nous devons continuer à aider l'Église. Parce que c'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire. Personne d'autre ne va venir écrire pour nous cette histoire. Personne ne peut venir te dire quoi faire. Parce que, en tant qu'humain, je peux te montrer quoi faire. Mais à chaque fois, un jour je me moquais de toi, un jour je viendrai reprendre ce que je t'ai donné. Alors nous-mêmes, nous devons écrire notre histoire. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani a montré le passeport que Papa Kisolokele avait. Nous ne savons pas comment Papa Simon Kimbangu Kiangani a eu ça, mais ça sera aussi parmi les choses qui ont été exposées, qui seront exposées dans le musée. Ce passeport, ses frères ne l'ont pas eu, mais Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui, il a ce passeport-là et nous allons retrouver ça dans le musée. Et for my English speakers, I'm sorry, I have to resume for you. So I was saying Papa Diangenda Kuntima was our first spiritual leader at church, and he was a builder, a gatherer, and a peacekeeper. And we are saying that he's a peacekeeper because we have proof. We know that he was born at the same time as the first war ended, which is on March 22nd. And Papa Simon Kimbangu Kiangani has the journal that we will see in the museum. And we know that Papa Diangenda was insulted by all. Like we heard yesterday at the conference, he was pointed for all his work, but all he wanted for us was to become independent, to do things by ourselves. We couldn't wait only on the, white people. But yeah, we couldn't wait on them to build our country, to build our church. And as we know, at that period of time, some people didn't want Kimbangu's kids. He built so much stuff for us that we can do, that we can tell that he did great things for the church. And in our church, we have smart people,
We are all kinds of people with different things. And, il disait aussi aux jeunes que vous les jeunes, vous devez faire les bons choix, vous devez agir vraiment responsablement parce que vous êtes l'avenir de demain. Et dans ses enseignements, être jeune, ce n'est pas juste. Il n'y a pas un âge précis. Dire que c'est peut-être de 15 à 70 ans ou quelque chose comme ça. Non, être jeune, ça doit être spirituellement, ça doit être mentalement qu'on doit réfléchir et tout. Et tout ça, c'est juste pour notre bien. C'est juste pour c'est pour le bien de l'Église. Ce que Papa Diangin a disait souvent, c'est « je m'aide en aidant les autres ». Donc, en résumé, c'est l'amour qui nous prêchait. Quand tu aides quelqu'un, tu t'aides toi-même. Non seulement tu aides cette personne, mais tu t'aides aussi toi-même. Et c'est toujours des points pour le paradis que nous sommes en train de gagner. Et aider, c'est vraiment aider avec son cœur. Et pas toujours à chercher des intérêts. Je veux aider parce que mon ami va... Non, tu dois aider parce que ton cœur le désire, parce que c'est les commandements que nous apprenons à l'Église. Et... pas seulement aussi en tant que ça, en tant qu'Africain, nous avons une très grande responsabilité. Comme nous savons, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, nous avons une très grande responsabilité d'apprendre à toutes ces personnes à travers le monde quelle est notre culture, qui nous sommes, en qui nous croyons. Et le respect des commandements, les papas, mamans. Nous devons vraiment respecter les commandements. Il n'y a que trois commandements qu'on nous a laissés. Bolingo mibe komisala. Comme Papa Eskaka a dit, Bolingo ekoku misayo. Mibeko ekotombo lisayo. Donc devant la face de Dieu. Et misala ekoko tisayo na mboka ya ilaka. C'est ce que nous cherchons. Je ne vois pas qu'est-ce que nous allons encore chercher d'autre. Parce que nous allons passer et nous allons laisser tout ça. Mais une fois que tu as respecté ces commandements, tu es sûr d'avoir une place auprès de Dieu. Et sinon, si nous ne les respectons pas, comme il dit, pas sinabiso et aussi la thé. Et beaucoup ont dit que les kimbanguistes sont des idiots. Comment on va suivre un homme comme ça, j'insiste encore. Mais nous avons vu hier, nous avons pu organiser une conférence comme ça. Avoir des gens venir de tous les états, c'est vraiment une grande chose. C'est quelque chose qui n'a pas pu être réalisé. Et dites-moi, si les gens disent que vous êtes des idiots, est-ce qu'un idiot peut arriver à organiser une conférence, arriver à structurer les choses afin que ses frères puissent bénéficier d'un enseignement ici? Personnellement, j'ai bénéficié de beaucoup, d'apprendre des professeurs comme ça, et c'est toujours ça que nous devons chercher. Quand nous avons des questions, nous avons des doutes, nous avons nos pasteurs, nous avons nos parents, nous avons nos proches à qui nous pouvons poser des questions. Parce que nous savons comment il y a beaucoup de gens qui essaient toujours de nous faire douter de notre foi, mais nous ne devons pas laisser ça. Nous avons une grande dette envers Papa Diangenda. Le fait de construire pour nous des églises, des hôpitaux, pour que nous soyons ici en ce moment, nous devons payer... Yeah, nous devons rendre ça, exactement. Nous devons rendre ça à Papa Simon Kimbonkiangani. Nous devons rendre ça à Papa Diangenda. Et pour ça, nous devons continuer à travailler. Donc, les cotisations que l'Église nous demande, les prières quotidiennes que nous devons à chaque moment, nous connaissons nos heures de prière, nous devons toujours nous rappeler de ça. Même si on est au travail, à l'école, nous n'avons pas un peu de temps, prenons une minute, quelques secondes pour prier, parce que ce sont des choses qui vont nous aider. Papa Diangenda a insisté aussi sur les soirées. Malheureusement, ici, nous connaissons avec ce pays, nos horaires, c'est un peu difficile. Mais j'ai la foi, je sais qu'on sera établi, nous pourrons commencer à faire des soirées. Dans chaque paroisse, il y aura ça. Nous sommes sur le bon développement, en tout cas. Et nous n'oublions pas surtout que nous, les Kimbanguistes, nous n'avons pas de financement. Il n'y a pas quelqu'un qui nous donne un chèque pour nous dire « Yeah, allez-y, construisez votre église ». C'est nous-mêmes notre travail. Donc, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons toujours continuer. Et papa demandait d'arrêter l'hypocrisie. C'est vraiment important d'arrêter l'hypocrisie. Le simple fait de venir ici, d'arrêter avec nos occupations, de laisser le travail, les études, de venir ici pour se rassembler, ça montre quel amour nous avons. Et nous devons continuer avec cet amour-là. Arrêter vraiment l'hypocrisie parce que, comme lui-même il nous disait, « Écoutez, ils sont très chers ». Et nous devons arrêter de faire passer nos propres intérêts avant les intérêts des autres. Nous devons tolongola kibomoto.
et cherchant d'abord le royaume des cieux, parce que c'est ça qui est important en fin de compte. Donc si c'est ça ce que je peux un peu partager avec vous, j'espère que nous allons partir avec un enseignement, nous allons méditer ça pendant toute la semaine. Nous devons marcher avec ce comportement parce que nous, nous sommes des Kimonguistes, nous devons toujours faire la différence. Je vais passer aux quelques communiqués. Nous ne devons pas oublier que le mois prochain, nous avons la fête du 2 avril, du 6 avril, du 27 avril. Nous avons trois grandes fêtes. Le 2 avril, je tiens à le rappeler que c'était l'arrivée de la dépouille de Papa Simon Kimbangu en Kamba. Et le 6 avril, c'est le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Et ce jour-là, Maman Mouilou avait sonné la cloche pour dire que c'était un nouveau début. C'est une très grande fête pour nous, l'Église. Je sais qu'il y a des gens qui sont en Kamba qui vont rester pour assister aux fêtes du 6 avril. Et nous avons la fête du 27 avril, le décès de notre maman, Maman Mouilou. Mais pour nous, comme nous le savons, c'est une célébration. Pour nous, ça ne doit rien nous dire parce que les papas nous ont préparés à tout ça. Ils nous ont préparés à abandonner tout ce qui est sur cette terre parce que nous devons aller travailler avec lui au-dessus. Donc, ça sera une très grande célébration. Comme j'ai dit, n'oublions pas les prières Yabangonga. Et puis, nous avons les projets, les différents projets de l'Église que nous devons toujours garder dans nos prières. Nous connaissons le voyage des Noirs américains. Le programme a déjà été donné. Donc, du 4 au 14 juillet, les Noirs américains vont partir en Kamba pour la fête du 8 juillet. Et par Noirs américains, ce n'est pas juste les Noirs américains. Tout un chacun d'entre nous, nous pouvons chercher à les accompagner. Nous avons une histoire à raconter. Eux, ils ne savent pas et nous pourrons leur apprendre. Surtout avec les barrières concernant la langue, nous pourrons toujours les apprendre. Nous ne devons pas seulement prier pour nous, nous devons prier pour tout le monde, nos frères, nos mamans qui sont malades. Nous devons toujours les garder dans les prières. Les gens partout dans le monde, nous devons les garder dans les prières. Ils sont dans des conditions que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est pour ça qu'on nous rappelle toujours de continuer de prier. Nous, en tant que chrétiens, c'est la seule arme que nous avons. Et il y a cette prophétie qui se réalise. Il y a le professeur qui était là hier, professeur Madini, qui a dit quelque chose d'important. Ce n'est plus des prophéties qui sont en train de se réaliser. Il a dit, c'est notre réalité maintenant. En ce temps-là, c'était juste des choses que les papas disaient. C'était juste quelque chose que Papa Simon Kimbangu a dit comme ça, qu'il y aura des Noirs américains qui viendront. Qu'on ira dans des pays étrangers pour apprendre. Il y en a qui vont partir, qui vont revenir. Il y en a qui ne vont pas revenir. Et c'est ce que nous vivons exactement. Donc ce n'est plus des prophéties, c'est notre réalité. C'est pour ça que nous devons garder ça en tête et marcher avec ça. Et nous avons une nouvelle triste quand même à annoncer. Notre maman, maman Diassi Viankamba, a rendu l'âme à papa. C'est notre maman qui était en Kamba pour les célébrations du 22 mars. Nous avons sa fille ici avec nous, qui vient de Los Angeles, maman Nolsi. Et elle a sa sœur, maman Karine Amen. Nous devons les garder dans les prières. Nous remercions Dieu. Comme pour chaque événement, nous devons toujours remercier Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Nous ne pouvons rien faire. Maman a fait sa part. Elle a fêté le 22 mars avec tout le monde. Et papa l'a rappelé à elle. Donc, nous devons célébrer ça. Donc, nous allons passer à la salutation. Si la Faki peut être prête. Merci beaucoup maman, vous pouvez prendre place. Ici c'est votre maison, donc n'hésitez pas. Père, vous salue. Paroisse de Dallas, si vous pouvez vous lever également. Ok, nous avons San Antonio Vivas. So, si vous pouvez vous lever, nous allons aussi vous saluer. Merci. La paroisse de DC. Avec nous.
la paroisse de Charlotte. Et finalement, la grande paroisse d'Atlanta, Faki, qui vous êtes prêts à l'intervention. Merci beaucoup. Prenez